Tell me about what the Vatican astronomers are telling you, or what others, experts, I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling you. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you, UFOs, I mean, I think that's like science fiction, to be quite candid with you. But I told my staff about this interview, and one of the staff members said when he was 12 or 13 years old, he saw a UFO, and they visited him and talked to him. I mean, and that's just a small group of people. And statistics say one out of two people in America believe in UFOs, unidentified flying objects. And we're hearing now reports all over the world. My wife and I were crossing over a mountain one time when a circular silvery device dropped down from the heavens, shot around, done all kinds of things we couldn't explain. We didn't know if it was an angel, a demon, or whatever it was, but it certainly was what people describe as UFOs. And so the phenomenon, to me, is certainly real. Then, of course, you begin defining what it is. Well, to the Vatican and to the astronomers. But wait a second, it's demonic. Why would the Vatican be studying this? Yeah, well, not only are they studying it, Corrado Balducci, who was the spokesman for the Vatican, he was their official mouthpiece concerning the alien presence, not just the reality of aliens on other worlds, but an alien presence that is here on Earth now. You can go to YouTube and watch his shows on Italian television when he spoke for the church and said that the church was using its embassies around the world to compile information, a case study, if you will, on what the aliens are doing on Earth now. So the belief system is deep, regardless of what you or I might make out of it. And I got to tell you, especially when it comes to alien abduction, I am convinced that we are talking about demonic activity, not intelligences from another world, maybe from another dimension. Padre Balducci, allora, lei che cosa risponderebbe a quanti sostengono che gli alieni sono già fra di noi? Non si può più pensare è vero, non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede, no. Oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è, non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non veri e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non rientra più nell'ambito della prudenza umana, dubitare, perché la prudenza dice di essere prudenti, ma non di negare. Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia? Non c'è alcuna conseguenza negativa, tutto è contemplato, mica il Signore ci ha rivelato tutto. E quindi si può pensare benissimo anche alla stessa redenzione umana. Cristo rimane sempre il centro dell'universo, ma nell'universo c'è tutto, non solo il mondo, ma ci sono le migliaia di stelle, le migliaia di galassie e ci sono, non voglio adesso dire i numeri, ma indubbiamente si può pensare e ragionevolmente a questo punto, ed entriamo qui nella seconda questione, come si spiegano, alla esistenza di altri mondi abitati. In che maniera abitati? Da chi abitati? Vede, noi, c'è un detto che risale ancora a secoli, secoli fa, natura non facit saltus, la natura non fa salti, cioè c'è il regno vegetale, il regno animale, il regno umano e il regno angelico, le uniche cose, quattro regni che conosciamo, tre sono naturali e li vediamo. Tra l'uomo, l'essere umano e l'angelo, c'è un salto un po' grosso da fare. Ecco perché già con questo argomento della convenienza, che è illustrato molto bene da San Tommaso, uno dei più grandi teologi, è probabile, è verosimile, ecco più che altro,
perché tra l'uomo che ha già uno spirito in sé, ma povero spirito, è soggetto alla materia in una maniera incredibile, basta, alla sera uno sente il bisogno di andare a letto, mentre l'anima non ha bisogno di dormire, basta una piccola malattia, insomma, è talmente imprigionato, e l'angelo che è solo spirito, è verosimile che ci siano altri esseri i quali abbiano un'anima, diciamo così, che è meno legata, meno subordinata al corpo, e un'anima di questo genere è ovvio che può compiere progressi che noi, per quanto ne facciamo tanti in questi ultimi decenni, non saremmo in grado di compiere. Saying to us now is it's going to affect Christian belief. There is a professor for the Pope's university in Rome, and he is a very highly respected intellectual. His last name is Tanzniti, and he has written a paper now in which he is saying that very soon, not right in the beginning, we won't have to deny our Christian faith in the beginning. But there is information coming from another world, and once it is confirmed, it is going to require a rereading of the gospel as we know it. And that's the kind of information that we are receiving from the highest levels of Vatican intelligentsia. Declassified U.S. government documents and witness testimony from former or retired U.S. military personnel confirm beyond any doubt the reality of ongoing UFO incursions at nuclear weapons sites. When I say UFO, the witnesses have described these craft as disc shape or cylindrical shape or spherical. These objects are capable of both hovering and high-velocity flight, usually completely silently. Over the past 37 years, I have personally located and interviewed more than 120 of these former or retired military personnel,
all of whom report UFO incidents at one or more of the following locations: nuclear missile sites, nuclear weapons storage areas, and nuclear weapons test sites in Nevada and the Pacific during the era of atomic atmospheric testing. I believe, these gentlemen believe, that this planet is being visited by beings from another world who, for whatever reason, have taken an interest in the nuclear arms race which began at the end of World War II. Regarding the missile shutdown incidents, my opinion, their opinion, is that whoever are aboard these craft are sending a signal to both Washington and Moscow, among others, that we are playing with fire, that the possession and threatened use of nuclear weapons potentially threatens the human race and the integrity of...
secret. She'll take your bleeding heart and your soul. No regrets. Freddie the man told me, hey, don't be defensive, relax, what's the problem? Wait, I'm wearing my Lucifer ring, watch out. Okay. Lucifer ring, what is that and why? Who's Lucifer? I'll tell you about it later. Oh, hey. So who was the mysterious Frater H? None other than the author and inventor of the new cult religion of Scientology, Mr. L. Ron Hubbard. Former initiate of Aleister Crowley's OTO, Hubbard wrote a so-called sacred text called Dianetics, which now has an inspired following of evangelical millionaires in Hollywood, just as the Kabbalah training schools are now brim full of people who had their interest in these Judaic magical techniques inspired by Britney Spears and Madonna. Tell me about what the Vatican astronomers are telling you
what others, experts, I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling you. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you, UFOs, I mean, I think that's like science fiction, to be quite candid with you. But I told my staff about this interview, and one of the staff members said when he was 12 or 13 years old, he saw a UFO, and they visited him and talked to him. I mean, and that's just a small group of people. And statistics say one out of two people in America believe in UFOs, unidentified flying objects. And we're hearing now reports all over the world. My wife and I were crossing over a mountain one time when a circular silvery device dropped down from the heavens, shot around, done all kinds of things we couldn't explain. We didn't know if it was an angel, a demon, or whatever it was, but it certainly was what people describe as UFOs. And so the phenomenon, to me, is certainly real. Then, of course, you begin defining what it is. Well, to the Vatican and to the astronomers. But wait a second, it's demonic. Why would the Vatican be studying this? Yeah, well, not only are they studying it, Corrado Balducci, who was the spokesman for the Vatican, he was their official mouthpiece concerning the alien presence, not just the reality of aliens on other worlds, but an alien presence that is here on Earth now. You can go to YouTube and watch his shows on Italian television when he spoke for the church and said that the church was using its embassies around the world to compile information, a case study, if you will, on what the aliens are doing on Earth now. So the belief system is deep, regardless of what you or I might make out of it. And I got to tell you, especially when it comes to alien abduction, I am convinced that we are talking about demonic activity, not intelligences from another world, maybe from another dimension. Padre Balducci, allora, lei che cosa risponderebbe a quanti sostengono che gli alieni sono già fra di noi? Non si può più pensare è vero, non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede, no. Oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è, non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non veri e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non rientra più nell'ambito della prudenza umana, dubitare, perché la prudenza dice di essere prudenti, ma non di negare. Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia? Non c'è alcuna conseguenza negativa, tutto è con... His task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, we'd forget all of the local differences that we have.
Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présentation qui m'a fait bien plaisir parce que je vois que vous avez déjà une certaine notion du problème. Il est certain que si j'en suis arrivé à avoir une certaine vision particulière du problème, c'est parce que je m'y suis moi-même fait pincer, en quelque sorte, et que j'ai eu la chance de la Sainte Providence de pouvoir m'en être sorti. Parce que le phénomène OVNI, tel qu'on le présente généralement par les médias, est totalement faux, parce que justement ce phénomène s'ingénie à se présenter pour ce qu'il n'est pas. À partir de lui, d'ailleurs, il y a eu l'émergence d'un mythe extraterrestre, alors que le phénomène OVNI est totalement étranger au problème de la vie extraterrestre. Mais il est bien évident, suivant l'aspect dont il se présente depuis déjà maintenant une cinquantaine d'années, bien que le problème ne soit pas du tout un phénomène moderne. Le phénomène OVNI s'est présenté sous des aspects totalement différents depuis la plus haute antiquité. En vérité, je me demande même si son point de départ depuis la Genèse. C'est-à-dire que l'histoire des OVNI, suivant la conviction que j'en ai, et puis bon, je m'en expliquerai un peu plus à la suite de mon exposé, j'ai bien l'impression qu'effectivement le problème des OVNI remonte à la Genèse de la création dans ce qui est contenu de la séduction d'Adam et Ève, où le serpent génésiaque dit « vous serez comme des dieux ». En vérité, depuis ce temps-là, le phénomène qui a changé de forme ne cesse pas de dire toujours « vous serez comme des dieux » si vous suivez notre exemple. Je m'explique un petit peu. Les dieux d'hier sont en quelque sorte les extraterrestres d'aujourd'hui avec lesquels on essaie encore de recommuniquer d'une certaine façon en utilisant des techniques occultes. Ces techniques occultes sont également très anciennes. Elles ont été l'apanage de certains groupes d'initiés parmi les civilisations les plus anciennes, égyptiennes, mésopotamiennes, etc., de Syrie, enfin toutes les anciennes, et surtout l'Égypte. Et ces techniques occultes étaient réservées à une caste d'initiés qui, par cet intermédiaire, prétendaient obtenir des pouvoirs des dieux qui sont les extraterrestres d'aujourd'hui. Alors ces pouvoirs, ils se les réservaient pour eux-mêmes en produisant des prodiges le plus spectaculaires possible pour montrer leur puissance. Ces phénomènes qu'ils ont un très grand pouvoir de suggestion et de fascination sur les esprits disent toujours la même chose lorsqu'on analyse les messages qui se transmettent par leur intermédiaire. Qu'on nomme les contactés. Les contactés, ce sont des personnes qui prétendent être en relation avec les extraterrestres. Alors ceci est une vaste mascarade parce que l'extraterrestre, pour moi, n'existe pas. C'est un véritable montage que, justement, ces entités ont présenté de telle façon de nous tromper sur ce qu'ils sont réellement et sur leur véritable intention. Alors les messages qui ont été obtenus en analysant tous ceux qui prétendent, à la suite d'une initiation, d'être en relation avec les extraterrestres, dit en peu de choses près ceci. Nous sommes du ciel, nous sommes les fils de Dieu, vous pouvez aussi devenir comme des dieux, c'est-à-dire comme nous, puisqu'ils se prétendent être les extraterrestres, les dieux d'hier. Car nous sommes tous de nature divine, la rédemption est donc en vous, vous serez comme des dieux. Alors là, on trouve une singulière résonance avec tout ce qui se dit au sein du mouvement du New Age, c'est-à-dire que tout ceci concourt dans la déification de l'être. C'est-à-dire que donc nous sommes, si on respecte leur message, on serait supposé de nous passer de la rédemption et de pouvoir nous déifier par les moyens des connaissances que ces dieux-là nous apportent, par l'intermédiaire de leurs initiés. Voilà un petit peu en gros comment ça se présente, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Car le phénomène, s'il existe depuis un très lointain passé, bon, c'est qu'il y a certainement un but, et ce but, il demeure caché, secret. En analysant le phénomène, on s'aperçoit qu'il évolue par stades successifs au cours des âges, et qu'il semble régir à un plan occulte, et qui part donc de la Genèse depuis la chute, et qui se terminera certainement au temps de l'Apocalypse. Le phénomène des ovnis d'une façon moderne a surgi après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945. On l'a su longtemps après que le phénomène ovni avait déjà
eu des échos dans certaines presses en Amérique du Nord notamment, à la suite de certaines rumeurs disant qu'il y aurait eu certains crashs d'OVNI dans, par exemple, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et qu'on aurait recueilli donc des êtres humanoïdes, c'est-à-dire d'une ressemblance plus ou moins rapprochée avec nous. Mais ces rumeurs n'ont rien donné de vraiment concret parce que c'est demeuré secret. Mais en vérité, c'était le 24 juin 1947 que pour la première fois, le phénomène s'est fait connaître au public. Comment s'est construit en vérité le mythe extraterrestre ? Bon, à l'époque, d'abord, on disait pas OVNI, on disait soucoupe volante. La plupart des titres dans la presse disaient, je m'en souviens, j'étais jeune à l'époque, mais je me souviens très bien, je découpais les articles de journaux parce que j'étais très intéressé par le sujet. Et très souvent, les titres des journaux disaient ceci, les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Alors, il y a eu une forte suggestibilité qui s'est faite dans l'opinion publique. Par la suite, il est certain que le phénomène s'est fait accepter comme extraterrestre. Il faut dire que, au début des années 50, on ne connaissait pas grand-chose de nos planètes les plus proches, par exemple Mars ou Vénus. On n'avait pas encore lancé de sonde dans l'espace, puisque c'était, si je me rappelle bien, le 4 octobre 1957, que la première sonde, qui était d'ailleurs soviétique, a été lancée dans l'espace. Et on n'a pas été bien loin, je crois qu'elle a été une altitude de 800 km. On ne pouvait pas encore savoir exactement s'il y avait la vie sur Mars ou sur Vénus. Si bien que certains journaux, d'ailleurs, parlaient de Martiens qui venaient nous envahir. Vénus, on n'en connaissait pas grand-chose parce que bon, elle était enveloppée souvent de nébulosité. Mars, on pensait qu'il y avait des Martiens parce que l'astronome Schiaparelli avait détecté des sortes de lignes qui partaient des pôles et qui traversaient, disons, les méridiens, jalonnaient les méridiens de la planète. Alors on pensait qu'il y avait une pénurie d'eau, d'ailleurs, et que donc les Martiens avaient essayé de puiser l'eau au pôle pour pouvoir l'irriguer sur leur planète. Alors on en était là au début des années 50. C'était vraiment sérieusement comme ça qu'on voyait les choses. Alors si bien que les journaux parlaient de Martiens, on parlait pas encore d'extraterrestres, on parlait de Martiens. D'ailleurs, l'année 1954 a vu en Europe du Nord, en France en particulier, un véritable déferlement de tous ces objets non identifiés. On les voyait pas seulement dans le ciel, on les voyait également au sol pour la première fois, chose stupéfiante, avec des créatures qui sortaient de ces objets-là et qui faisaient quelques petits tours, ramassaient quelques cailloux, quelques échantillons, et repartaient aussi vite, quoi. Comme si que donc des astronautes venant d'ailleurs avaient soudainement découvert notre planète à la suite de notre manifestation technologique due aux expériences nucléaires, et comme si qu'on les avait alertés, et que donc ils venaient, supposant de Mars ou de Vénus, dit tiens, il y a de la vie intelligente sur Terre. C'est quand même assez étrange qu'on ait pu penser ça, parce que pour des engins supposés dotés de telles prouesses technologiques, il y a très longtemps qu'ils auraient dû le faire. Mais curieusement, cette idée s'est installée dans les esprits parce que, bon, en 1950, on était quand même pas si avancé que maintenant dans la connaissance scientifique, astronomique, et que ça demandait encore quelques années pour pouvoir vérifier si cette thèse elle était vraie ou fausse. Alors, bien sûr, par la suite, avec les sondes spatiales, on a tout de suite compris qu'il y avait impossibilité qu'il y ait là des créatures intelligentes qui nous envoient des véhicules spatiaux pour voir si chez nous c'était peut-être mieux que chez eux. Ou alors peut-être censé nous envahir, parce que Mars, par exemple, il y avait des problèmes d'eau. Alors, mais je me souviens, étant jeune à l'époque, ça avait quand même beaucoup suggestionné les consciences, et pour certaines personnes comme moi intéressées à la question, on était presque convaincus qu'on était tout près d'une invasion martienne. Voilà, ça c'était donc... aux alentours des années 54-55, c'était un peu le climat psychologique qui régnait à cette époque-là au sujet de ces phénomènes. Remarquez, j'ai oublié de vous dire une chose essentielle, c'est que m'étant intéressé à la question, je pense avoir été un des premiers adhérents d'une des premières commissions d'enquête et d'études sur ces sujets, justement en 1954, puisque bon, le phénomène avait complètement, illusionné en quelque sorte, et comme je voulais en savoir davantage, il existait en France et peut-être même en Europe une commission d'enquête privée sur les soucoupes volantes
qui a été créé en 1951, et je pense que j'en étais un des premiers adhérents, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui osaient s'en occuper, parce qu'on était un peu petit, mis à l'index, parce que ça ne faisait pas du tout sérieux. Et on se retrouvait donc à une trentaine de personnes dans une salle à Paris pour en discuter, sans oser en parler dans notre entourage. Je dis cela parce que, à la suite, un certain concours de circonstances, beaucoup plus tard, a fait que, en 1972, j'ai moi-même repris cette commission, la direction de cette commission d'études, sans me préoccuper de ce que mon prédécesseur avait pu recueillir comme élément d'information. Bon, c'est-à-dire des témoignages, d'observations, etc. J'ai repris absolument tout à zéro. J'ai mis au point une structure d'enquête avec à peu près 500-600 enquêteurs, chargés de ramasser les témoignages, peut-être aussi recueillir les éléments de traces d'atterrissage. Et très curieusement, chaque fois où nous avions installé un comité d'enquête dans certaines régions, alors qu'il ne s'y passait rien, d'un seul coup, c'était complètement envahi de phénomènes. C'est quand même assez curieux, on ne se posait pas trop de questions, on disait, pour nous, finalement, ça nous fait du travail intéressant. On était tout contents d'aller interviewer les gens, de photographier les traces, d'établir des dossiers d'enquête, de les analyser, de faire des thèses, des hypothèses. On a fait des corrélations avec les failles, on a fait des corrélations avec les éruptions solaires, etc. quoi. Et puis, ça n'apportait absolument rien, on tournait en rond d'une manière constante. Alors, je commençais à y voir clair. Par la suite, j'ai commencé à me poser des questions à partir du moment où l'idée m'est venue ne plus m'intéresser aux phénomènes virtuels, mais aux personnes qui étaient sujettes à ces phénomènes. À partir de ce moment-là, il y a eu des indices nouveaux qui ont été recueillis, surtout au niveau, dont j'en parlerai tout à l'heure, au niveau psychologique et même psychique. Qu'il y avait quand même un détail qui était quand même assez curieux, c'est que la plupart des gens qui étaient sujets à ce que, en langage d'ufologue, j'étais un ufologue à l'époque, je suis très contente de plus en être un maintenant, parce que quand on connaît la véritable nature du problème, on est tout content de s'en démarquer. Pour moi, je dois faire même un effort ce soir pour vous en parler, parce que c'est, disons, un petit peu contre moi. Je suis tout à fait en opposition avec ce que, quand j'étais beaucoup plus jeune, je défendais. Je suis tout à fait en opposition maintenant. Alors donc, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cette recherche, puisque ce qui m'a peut-être un petit peu protégé, c'est que par rapport à beaucoup de gens qui cherchaient le merveilleux dans ces phénomènes, moi, je cherchais la vérité. Je voulais absolument savoir d'une manière très sincère qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, qui est-ce qui tirait les ficelles, comment ça se passait, etc. Mais ça a été très loin, parce que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que moi-même, j'étais un petit peu manipulé, quoi. Il y avait des éléments qui se présentaient à moi d'une manière très fortuite, et je disais, belle aubaine, ça arrive juste à point, ça va peut-être me renseigner, puis en vérité, petit à petit que j'avançais, je ne me rendais pas compte, j'étais de plus en plus piégé dans ma recherche, quoi. Non, je n'avais jamais accès, j'avais jamais de satisfaction dans ma recherche. Et c'est exactement ce qui se passe pour tous ceux qui... Bon, maintenant, je peux en parler un peu plus ouvertement. C'est exactement ce qui se passe pour tous ceux qui s'adonnent à l'occulte. C'est-à-dire, il y a une très forte fascination d'abord de ces phénomènes, et ensuite, il y a une emprise sur l'esprit qui se fait progressivement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un éclairage spirituel, eh bien, c'est le contraire ce qui se passe, c'est un enténèbrement. Alors donc, on perd pied avec la réalité, d'ailleurs, on retrouve cette rupture avec la réalité au niveau des sectes, parce que le phénomène des sectes est à peu près parallèle. Il y a une suggestion sur l'esprit, il y a une emprise sur l'esprit, à partir d'un gourou qui, lui, fait effet de canal, quoi, qui reçoit une puissance qu'il faut définir, et cette puissance qu'il possède, il l'utilise pour... enténébrer ses adeptes, et ses adeptes sont sous sa coupe, quoi, en quelque sorte. Or, il les gouverne comme il veut. Mais c'est pas n'importe qui peut le faire. Ces personnes peuvent arriver à de tels résultats parce qu'ils agissent sur le psychisme de l'être humain. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, justement, en parlant du psychisme. Bon, je vais quand même en terminer, avant tout, sur ce qui concerne les aspects physiques du phénomène. Bon, tout à l'heure, monsieur disait que c'est tout à fait vrai, on avait beaucoup de mal à recueillir des pièces à conviction, des échantillons,
c'est pour la bonne raison que il n'y en a pas de pièces à conviction. Bon, nous-mêmes, nous avons recueilli des éléments, d'échantillons sur des supposés points d'impact de phénomènes que, comme on pensait que c'était des engins extraterrestres, des engins venant d'autres planètes, on appelait ça atterrissage. Vous voyez, le terme était déjà un petit peu manipulateur, là. Parce qu'en vérité, c'est une vaste mascarade. Forcément, il se passe un phénomène. Mais le phénomène ne se passe pas de la façon dont on pense qu'il se passe. C'est une véritable illusion. Cette puissance-là, je préfère utiliser, avant de dire le vrai terme, utiliser le terme de puissance. Cette puissance-là, qui est aussi intelligente, est capable de nous illusionner à sa guise. Alors donc, ces illusions se présentent de telle façon qu'on croit qu'elles sont réellement consistantes. Mais en vérité, ce sont des leurres. Ce sont vraiment des leurres qui nous sont présentées pour nous faire croire que un objet se pose là, des êtres sortent, recueillent des échantillons, remontent en vitesse dans leur engin et partent aussitôt peut-être analyser tout ce qu'ils ont recueilli. Bon, c'est un petit peu simpliste, il me semble, et même un peu grossier. Mais en vérité, tout ça, ça fait partie d'une vaste panoplie de phénomènes capables de nous illusionner par deux moyens particuliers dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. C'est qu'ils sont capables de nous montrer dans notre esprit des scénarios qui n'existent pas, ce sont des illusions. Ils utilisent certaines parties de notre cerveau pour nous faire croire que... Ou la deuxième chose qu'on pense réalisable, c'est que cette puissance-là est capable d'effectuer des formes matérialisées. C'est-à-dire qui ne sont vraiment pas consistantes au niveau technologique, matériel. D'ailleurs, on l'aurait certainement retrouvé, comme a dit monsieur tout à l'heure, des éléments. Bon, parce que c'est aussi assez curieux que si ces engins sont technologiques, qu'ils soient infaillibles aussi. Parce que bon, il y a quand même, on l'a répertorié quand même, depuis le temps que ça dure, des millions, des dizaines de millions de cas d'observation, et jamais il y a eu de panne, jamais il y a eu d'incident, jamais on n'a pu recueillir quoi que ce soit. Forcément, parce que le phénomène n'est pas vraiment technologique, ce n'est pas des engins d'ol avec des rivets, des boulons, etc. Ce sont simplement des formes matérialisées qui se présentent comme si c'était des engins bien solides. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelque chose de parfaitement matériel, mais temporairement. C'est-à-dire qu'il y a une matérialisation qui s'effectue d'une manière très brève, et ensuite dématérialisation. C'est vrai parce que nous avons, parmi les recueils du matériel photographique, etc., je me souviens d'un film qui montre qu'à un certain moment, on voit un objet bien défini, quoique, je dois dire, les objets sont toujours soit lumineux, et s'ils se présentent sur une forme matérialisée, ils sont flous. Je mets au défi absolument mon ami Georges Menger, qui est ici, qui est notre représentant en Suisse de la commission de recherche sur ces phénomènes, que maintenant, bon, on ne recherche plus ces phénomènes, mais notre tâche maintenant, c'est en connaissant un petit peu plus, on essaye d'avertir les personnes qui seront attrapées par toutes ces illusions-là, quoi, parce qu'il y en a toujours. Eh bien, Monsieur Menger, donc, seulement me confirmer que parmi les centaines de photos qui nous sont passées entre nos mains, ça a toujours été des éléments flous, soit des éléments lumineux, une masse lumineuse, soit une masse matérielle, enfin, se présentant semi-matérielle, mais floue. On ne voit jamais de structure proprement dite, vous voyez. Ce qui montre que quand même, ce qui est flou est quand même aussi suspect de toute façon. Parce que si c'était vraiment des engins d'une structure bien définie, technologique, avec des êtres qui en connaissent un peu plus que nous, je ne vois pas pourquoi ils se cacheraient, se présenteraient pas un petit peu plus à nous, parce que, au contraire, ça serait dans leur intérêt de montrer qu'ils viennent d'autres planètes. Mais c'est pas le cas. Donc, ils sont capables, ces objets-là, d'apparaître, de disparaître, de se décomposer, de se recomposer, et de changer de forme même en cours de manifestation. C'est-à-dire, par exemple, on voit un objet rond, d'un seul coup, on voit qu'il devient tubulaire, ou ça devient un triangle, etc. Alors donc, il y a une transformation de forme qui se fait en cours d'évolution. Et d'autre part, bien souvent, on voit des objets qui se présentent, bon, suivant une masse lumineuse, et soudainement, cette apparition s'éteint comme un écran de télévision. Alors, c'est pas l'objet qui s'en va comme ça, qui disparaît dans le lointain à l'horizon, non. C'est
bien souvent des témoins m'ont dit un objet est apparu, je l'ai parfaitement vu, puis d'un seul coup je ne l'ai plus vu. Il a complètement disparu, comme si que il s'était éteint, quoi. Alors, c'est bien ce qui montre quand même qu'il y a autre chose, et que le phénomène répond plutôt du domaine de la magie, pareil par enchantement, que donner une explication par le mode technologique. Ils sont donc capables, ces objets-là, d'immatérialité et de matérialité à la fois. J'ai un autre témoignage qui me revient à l'esprit tout de suite, qui montre aussi que ces objets sont capables de prouesses absolument phénoménales et qui ne pourraient absolument pas effectuer ces prouesses-là s'ils étaient vraiment technologiques. Je me souviens qu'un ami qui avait travaillé sur les champs de tir d'expérience atomique au Sahara, qu'avant les expériences, me disait-il, les ingénieurs filmaient au théodolite des objets qui tournaient au-dessus du champ de tir alors que c'était tout à fait secret et que donc personne ne pouvait savoir à l'avance quand aurait lieu l'explosion. Ces objets étaient quand même là. Et au moment de l'explosion, au moment où la boule de feu de l'explosion se développe, les objets ont été vus fonçant carrément dans la boule de nucléaire et ce qui est totalement impossible, quoi. Aucune matière ne peut résister à une chose pareille. Mais si on conçoit que ces objets ne sont pas vraiment matériels, tout s'explique. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que j'aborderai plutôt dans ce sens que ce ne sont pas des objets vraiment matériels. Ils sont capables de matérialisation, ils sont capables également de nous illusionner, mais à ce moment-là, on comprend mieux le phénomène. D'autre part, on l'a vu également, pas toujours dans le ciel et sur terre des phénomènes, on en a vu également dans la mer. J'ai recueilli des témoignages de certaines personnes qui étant sur un bateau venant de l'île de la Réunion et qui ont parfaitement vu un objet lumineux à bâbord du bateau venir sur le bateau, traverser le dessus du bateau et ressurgir de l'autre côté à tribord. Mais alors, quand je les ai questionnés, ils m'ont dit, mais on n'a pas vu de remous, on n'a pas vu de bouillonnement, on n'a pas vu de sillage, on n'a rien vu de tout ça. Ce qui paraît quand même assez difficile à concevoir quand si c'est un objet technologique. Mais encore une fois, ça peut s'expliquer si ces phénomènes sont des phénomènes d'illusion, quoi. Alors, dans ces conditions, on conçoit très bien que les scientifiques ne s'intéressent pas à la question et qu'ils ont un certain dédain de pouvoir analyser ces phénomènes-là. Ils n'ont pas la possibilité de l'étudier scientifiquement, parce que si c'est des phénomènes qui ont plus recours à la magie, il n'y a pas de consistance. Et aucun scientifique n'a osé s'avancer dans ce terrain marécageux jusqu'ici. Bon, je dois dire aussi que le phénomène n'est pas constant, bien entendu. On voit pas de ces phénomènes-là tous les jours. Il est épisodique, il se présente périodiquement à certaines époques, mais il est toujours quand même présent. L'autre hypothèse qui a été suggérée, est-ce qu'il s'agit d'armes secrètes, etc., je ne pense pas que ça soit pensable, parce que le phénomène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très ancien, il est apparu d'une forme moderne après la guerre. Il se module en fonction de nos croyances et de notre technologie, quoi. Il est capable également de mimétisme. Mais si c'était des armes secrètes, depuis tant que ça dure, je crois qu'il y aurait quand même eu des fuites qui nous auraient renseignés, et humainement parlant, ça semble pas non plus possible. D'autant plus que le phénomène a été vu à travers les âges, et il y a très longtemps, sous des apparences plus conformes à la croyance de l'époque. Il se métamorphose, justement, suivant les époques. Et de tout temps, si on fait également des recherches sur les chroniques anciennes, on s'aperçoit que de tout temps, il y a eu des signes qui ont apparu dans le ciel. Au Moyen-Âge, en Occident, on ne voyait pas des objets comme on voit maintenant d'une forme moderne, de disques, etc., d'apparence métallique ou lumineuse. On voyait surtout des genres de comètes, des torches, des flammes, des croix, des lances, des dragons, des lunes, des soleils, etc. Les chroniques de l'époque rapportent tout ça. En 1608, par exemple, a été recueilli dans les archives de la ville de Nice un témoignage qui relate qu'il y a eu un combat dans le ciel entre deux personnages qui se livraient une bataille entre eux au-dessus de la mer de Gênes, Gênes et Marseille, je crois. Et ceci avait dû apeurer suffisamment la population parce que
ces archives mentionnent qu'on l'avait amené les canons dirigés vers la mer au-dessus de où se déroulait le phénomène, les canons à bouée bien entendu, et qu'il y a eu 800 coups de canon tirés sur ce phénomène. Alors si c'était vraiment simplement que des petits mirages comme ça, je ne crois pas que la population aurait eu une certaine crainte et qu'il n'y aurait pas eu 800 coups de canon tirés. Alors, vous voyez, c'est quand même assez inquiétant, parce que quand on voit des phénomènes comme ça, il y a de quoi forcément se poser des questions. Je dois dire aussi que, d'ajouter que, au cours de ces phénomènes que je viens de relater, là, de 1608, il y a eu des pluies de sang qui se sont opérées, qui ont justement laissé présager à la population que des événements de mauvais augure pourraient se produire. Au XVIIIe siècle, d'une manière plus rapprochée, changement de forme de nouveau de ces objets-là, on aperçoit surtout des ballons mystérieux qui allant contre le vent et laissant entrevoir des espèces d'amarres d'encre qui tombaient de ces ballons-là. Ça encore, ça a été recueilli dans des vieilles chroniques. Donc je ne pense pas que les gens de cette époque-là auraient inscrit dans ces chroniques-là des choses qu'ils n'auraient pas vues. Mais ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que le phénomène prend donc une consistance en fonction de ce qu'on connaît, quoi, de l'époque. Et c'est donc seulement au début du 20e siècle qu'on a encore aperçu une autre catégorie d'objets, surtout au cours des années 1896 et 1897. Bon, c'était la fin pratiquement de la marine à voile, et on commençait à voir apparaître maintenant la machine à vapeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très curieusement, des journaux de l'époque relatent l'apparition d'espèces d'objets qui tenaient à la fois du bateau constitué de roues à aubes, et en même temps qui tenaient de l'aéroplane. C'était donc à l'époque de la découverte de la machine à vapeur qui mettait fin à la marine à voile. Donc là encore, il y avait un mimétisme assez curieux d'un mariage entre un bateau et un aéroplane. Enfin, l'aéroplane n'était pas encore là. Mais c'était l'apparence de ces objets-là. En chronique d'ailleurs de l'époque, ils appelaient bateaux aériens. Et ce qui est très curieux, c'est qu'aussi pour la première fois, c'est qu'on a parlé de personnages qui descendaient de ces objets. Des personnages habillés non pas à la forme qu'on les a aperçus à l'époque moderne, c'est-à-dire habillés de scaphandre ou pas de scaphandre, parce que bon, en 1969, on allait mettre le premier pied sur la Lune. Donc, tell me about what the Vatican astronomers are telling you, or what other experts. I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you, UFOs, I mean, I think that's like science fiction, to be quite candid with you. But I told my staff about this interview, and one of the staff members said when he was 12 or 13 years old, he saw a UFO, and they visited him and talked to him. I mean, and that's just a small group of people. And statistics say one out of two people in America believe in UFOs, unidentified flying objects. And we're hearing now reports all over the world. My wife and I were crossing over a mountain one time when a circular silvery device dropped down from the heavens, shot around, done all kinds of things we couldn't explain. We didn't know if it was an angel, a demon, or whatever it was, but it certainly... Tell me about what the Vatican astronomers are telling you, or what other experts... I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you,
UFOs, I mean, I think that's like science fiction, to be quite candid with you. But I told my staff about this interview, and one of the staff members said when he was 12 or 13 years old, he saw a UFO, and they visited him and talked to him. I mean, and that's just a small group of people. And statistics say one out of two people in America believe in UFOs, unidentified flying objects. And we're hearing now reports all over the world. My wife and I were crossing over a mountain one time when a circular silvery device dropped down from the heavens, shot around, done all kinds of things we couldn't explain. We didn't know if it was an angel, a demon, or whatever it was, but it certainly was what people describe as UFOs. And so the phenomenon, to me, is certainly real. Then, of course, you begin defining what it is. Well, to the Vatican and to the astronomers... But wait a second, it's demonic. Why would the Vatican be studying this? Yeah, well... Not only are they studying it, Corrado Balducci, who was the spokesman for the Vatican, he was their official mouthpiece concerning the alien presence, not just the reality of aliens on other worlds, but an alien presence that is here on Earth now. You can go to YouTube and watch his shows on Italian television when he spoke for the church and said that the church was using its embassies around the world to compile information, a case study, if you will, on what the aliens are doing on Earth now. So the belief system is deep, regardless of what you or I might make out of it. And I got to tell you, especially when it comes to alien abduction, I am convinced that we are talking about demonic activity, not intelligences from another world, maybe from another dimension. Padre Balducci, allora, lei che cosa risponderebbe a quanti sostengono che gli alieni sono già fra di noi? Non si può più pensare è vero o non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede. No, oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è, non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non veri e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non rientra più nell'ambito della prudenza umana, dubitare, perché la prudenza dice di essere prudenti, ma non di negare. Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia? Non c'è alcuna conseguenza negativa, tutto è contemplato, mica il Signore ci ha rivelato tutto. E quindi si può pensare benissimo anche alla stessa redenzione umana. Cristo rimane sempre il centro dell'universo, ma nell'universo c'è tutto, non solo il mondo, ma ci sono le migliaia di stelle, le migliaia di galassie, e ci sono, non voglio adesso dire i numeri, ma indubbiamente si può pensare, e ragionevolmente a questo punto, ed entriamo qui nella seconda questione, come si spiegano, alla esistenza di altri mondi abitati. In che maniera abitati? Da chi abitati? Vede, noi, c'è un detto che risale ancora a secoli, secoli fa, natura non facit saltus, la natura non fa salti, cioè c'è il regno vegetale, il regno animale, il regno umano e il regno angelico, le uniche cose, quattro regni che conosciamo, tre sono naturali e li vediamo. Tra l'uomo, l'essere umano e l'angelo, c'è un salto un po' grosso da fare. Ecco perché già con questo argomento della convenienza, che è illustrato molto bene da San Tommaso, uno dei più grandi teologi, è probabile, è verosimile, ecco, più che altro, che tra l'uomo, che ha già uno spirito in sé, ma povero spirito, è soggetto alla materia in una maniera incredibile, basta alla sera uno sente il bisogno di andare a letto, mentre l'anima non ha bisogno di dormire, basta una piccola malattia, insomma è talmente imprigionato, e l'angelo che è solo spirito, è verosimile che ci siano altri esseri i quali abbiano un'anima, diciamo così, che è meno legata, meno subordinata al corpo, e un'anima di questo genere è ovvio che può compiere progressi che noi, per quanto ne facciamo tanti in questi ultimi decenni, non saremo in grado di compiere.
saying to us now is it's going to affect Christian belief. There is a professor for the Pope's university in Rome, and he is a very highly respected intellectual. His last name is Tanzniti, and he has written a paper now in which he is saying that very soon, not right in the beginning, we won't have to deny our Christian faith in the beginning. But there is information coming from another world, and once it is confirmed, it is going to require a rereading of the gospel as we know it. And that's the kind of information that we are receiving from the highest levels of Vatican intelligentsia. Declassified U.S. government documents and witness testimony from former or retired U.S. military personnel confirm beyond any doubt the reality of ongoing UFO incursions at nuclear weapons sites. When I say UFO, the witnesses have described these craft as disc shape or cylindrical shape or spherical. These objects are capable of both hovering and high-velocity flight, usually completely silently. Over the past 37 years, I have personally located and interviewed more than 120 of these former or retired military personnel, all of whom report UFO incidents at one or more of the following locations: nuclear missile sites, nuclear weapons storage areas, and nuclear weapons test sites in Nevada and the Pacific during the era of atomic atmospheric testing. I believe, these gentlemen believe, that this planet is being visited by beings from another world who, for whatever reason, have taken an interest in the nuclear arms race which began at the end of World War II. Regarding the missile shutdown incidents, my opinion, their opinion, is that whoever are aboard these craft are sending a signal to both Washington and Moscow, among others, that we are playing with fire, that the possession and threatened use of nuclear weapons potentially threatens the human race and the integrity of